Oulou. Allô? Wesh, oh les frères. Oh, je suis en train de t'aimer des perles là. J'ai besoin de vos avis parce que je crois que ça va vite partir. Hein. Wow! Wesh! Wow! J'étais en plein match, frère. Oh, t'arrêtes de faire ça. Wesh, le mouvement, fin du confinement, on reprend les bonnes habitudes. Retour de l'émission phare. Du coup, tu prends ou tu prends pas. Épisode 4. Pour l'émission d'aujourd'hui, on va étoffer un peu le contexte pour pimenter la chose. On va faire une petite cagnotte, comme oui. ça va nous forcer à faire des choix. Ouais, parce que c'était un peu de la triche en vrai. Ah bah tu pouvais tout prendre, tu pouvais tout laisser, tu pouvais tout... On va faire une cagnotte de combien? Le total des paires c'est 1000 balles, du coup je crois on va se limiter à 700. 700 euros, vas-y ça me va. Du coup, paire number one, Nike Dunk Low, SP, Varsity Maze. On en pense quoi? J'aime bien celle-là. Je sais pas trop, moi. Moi, je kiffe bien. Elle coûte combien? Elle coûte 100 balles. Moi, j'aime bien parce que c'est une bonne alternative, tu vois. Non, genre, tu sais, il y avait déjà deux coloris qui sont sortis comme ça récemment. Ouais, les oranges, là. Ouais, les orange bleus. Et bleu. Ouais. Ouais, voilà, Syracuse. Ouais, moi, j'aime pas trop parce que ça fait un peu trop skater, tu vois. Après, l'avantage de celle-là, c'est que d'un côté, c'est des basses et en plus, elles sont un peu plus larges, tu vois, elles sont pas trop fines. Vous prenez? Je prends direct, franchement, je sais pas, le coloris, tu vois, je sais pas, j'aime bien. Et du coup, ouais, le coloris, j'aime bien. Moi aussi. Mais ce que je préfère, c'est, tu vois, qu'elle soit low, c'est vraiment lourd parce que... Par exemple, on va dire ça ressemble à des Jordan 1, tu vois. Ouais, bah je ouais. Je mets des Jordan 1 normales avec ce coloris, je les prends pas. Moi j'aime bien celle-là. Moi j'aime bien. Du coup, pour l'été, gros, ouais, grave. T'as capté, tu j'ai une short. Chaussette longue. Justement, on verra par la suite. Mais... Prends pas du coup, Clément? Non. Moi, ma cagnotte reste intacte. Bon, on enchaîne, paire numéro 2. Travis Scott, X Nike Air Max 270. Je prends direct. Moi j'aime pas là. Moi je kiffe. Non, moi je me demande, je prends pas. Moi je te jure, je kiffe. Elles font clochard un peu. Mais non, gros. Donc, on me dit dans l'oreillette en plus qu'on peut les custom. Ouais. On peut rajouter un signe Nike. Hein, on peut le rajouter de la couleur qu'on veut, le signe ou. En régie, on me dit que c'est en orange, mais maybe la couleur qu'on veut. Après ça, on verra, mais déjà, c'est un bon détail en vrai. Tu peux massacrer la paire, mais après, elle a massacré pire que là déjà. Ouais. Ils te vendent une paire, elle est dégueulasse. Mais regarde, frère. Regarde, là en plus on le voit, il a raison, regarde. Et là, du coup, là elle est plus sale, et là elle est plus propre. Moi je préfère celle-là. Tu la préfères dans 6 mois. Voilà. Et alors, vous préférez acheter une paire toute neuve, nickel, et dans 6 mois elle va être dégueulasse. Mais qui va acheter une paire sale? Mais c'est un détail, c'est du design. Comment ça, c'est un détail? Ouais, c'est original. Ah, ça dit Kanye West, il vend n'importe quoi, mais frère, là, vous... Oh, avec Travis Scott, la vie, vous êtes aveugle. D'habitude. La paire, elle jaunit. Là, c'est carrément l'effet inverse. On n'a jamais vu ça, frère. Elle blanchit. Oui, mais quand elle est jaunie, tu la veux pas. Pourquoi tu vas l'acheter quand elle est jeune, déjà? Bah, parce que tu connais son potentiel. Qui dit qu'elle va pas rejaunir? C'est comme quand t'achètes un joueur de foot. Il est pas au top, tu mises sur son potentiel. Ouais. C'est un mélange de la 270 et de la React aussi. Donc, c'est une hybride. D'où le nom, 270. Il y a de l'info, il y a de l'actu sur cette émission. Tu prends ou tu prends pas? Moi, en vrai, je prends. Hein. Moi, j'aime bien. Mais tu prends, genre, c'est le fait que tu puisses customiser, ça fait que tu prends. Ou si tu pouvais pas la customiser, tu la prendrais quand même. Moi, je pense que je la prendrais quand même. Ouais. J'aime bien le modèle en vrai. D'accord. J'aime bien l'hybride. Ok. Bon, paire numéro 3. Ben & Jerry's, X Nike SP, Dunk Low, aka Chunky Dunky. Elles sont à 100 balles. Est-ce qu'on en pense? Ils auraient pu même les mettre à 50 balles. Ou... Nicolas, bon, tu connais ça, ils vont te vendre ça à 1500 balles dans un mois. La boîte, ça rajoute au moins 200 balles dans la paire. T'achètes la paire pour la boîte? Après, elle est pas immonde non plus, tu vois. C'est pas bon. Elle est pas immonde. T'as la wow. En vrai, non, moi je la trouve pas immonde. Parce que regarde, en plus, tu vois, il y a les détails, genre, tu vois, là, c'est. Ah, ouais, putain, j'avais pas vu que c'était de la vache. Ouais, bah oui, gros. La vache. Mais carrément, ils ont pas compris. Là, ils ont coupé les vaches. Ouais, c'est chaud. Ouais, non, moi je veux pas de ça. Non, en vrai, elle est pas dégueulasse. Un vrai bail de fermier. Non, mais sur toute la paire en plus. Tu vas coacher là, tout le monde va l'avoir cette paire. Tu vas porter. C'est l'endroit pour ça. C'est un bon pour moi. Ouais, pareil. Moi non, parce qu'on a une cagnotte. Du coup, faut garder son argent. Mais autant la glace elle tue, mais là. On enchaîne, paire numéro 4, Adidas Yeezy Boost 350 version 2, Zion. Zion. Elles sont à combien? 220 balles cette soirée, je pense. Ouais, 220 balles. Je n'aime pas Adidas chez Yeezy. Non, l'inverse, putain.
Je n'aime pas Easy chez Adidas. C'est quoi ton beef avec Easy chez Adidas? J'aime pas. Trop faké, trop vu et revu, tu vois. Cette paire, elle ressemble. En vrai, elle ressemble à toutes les boosts. Ouais, voilà, ouais, voilà. Un truc de ouf. Ouais, du coup, moi, j'ai pas. Bah, en vrai, je vois même pas ce qu'on peut rajouter dessus. Non, moi, non. Ils sont pas exceptionnels, tu vois, mais ça va. Gros, les Red October quand ils sont sortis, frère. C'était incroyable. T'étais un reptilien avec moi. Non, vraiment, mais bon, ouais, voilà. Vas-y, il y a que la 700 maintenant que je valide. Non, non, le reste, c'est fini. Je suis en bif. Paire suivante, numéro 5. Là, j'achète direct. Je sais pas, il faut que je dépense mes sous. Air Jordan 1 Bloodline 2.0. On dirait la Chicago du pauvre. Ouais, c'est vrai, faut que je dépense. Mais de sa mère. Ouais, frère. Vraiment, Chicago du pauvre, frère. Mais c'est pas grave, je vais jouer au basket avec eux. 170 balles, du coup. Hein. Moi, j'aime pas, genre, les traits noirs, tu vois, genre, j'aime pas. Moi, j'aime bien, le seul défaut, à la limite, c'est là, là. Mais sinon, ah ouais, ouais, j'avais pas vu qu'il était rouge. C'est un peu trop rouge, mais en vrai. Mais les contours noirs, ça, quoi. J'aime pas, on dirait un dessin. Ouais, justement, ça va, j'aime bien. Je sais pas, elle me dérange pas. Tu la prends, c'est des contrats, tu vois. Ouais, voilà. C'est pour l'été, de toute façon. Pas pour flex. Ouais, voilà. Vas-y, moi, je les prends, il faut que je dépense mes sous. Ah, moi aussi je les prends. Enlevez-moi 170 balles ici. Ouais, moi aussi. Moi je les prends. Vas-y, vas-y. Paire numéro, combien? Bon, avant-dernière paire. Numéro 6. Tu vois, genre tout à l'heure, je l'ai pris. C'est les mêmes que au début, ouais. Ouais, voilà, tu vois là. Moi, tu vois, c'est celle-là que j'ai prise. Bon, alors celle-là, qu'est-ce qu'on en dit? Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Genre. Je trouve qu'elle passerait bien dans la nuit. Bah du coup, c'est un nouveau coloris par rapport à la première qu'on a présentée, tu vois. Elle est au même prix que la première, 100 balles? Ouais, 100 balles. Pense. Mais en fait, c'est un... Enfin, je veux pas dire que c'est un pack, tu vois, mais elle sort ouais, pas. Ouais, c'est le même produit, quoi. C'est juste des coloris qui changent. Ouais. Non, moi, ce coloris, il me dérange pas aussi, j'aime bien, tu vois. Je l'aime moins que la première, mais je la trouve bien. Ouais, en vrai, moi, je prends... Moi je prends pas, je prendrais le troisième. Moi je prends aussi pour flex dans la night. En récap, du coup les deux vous prenez. Moi je prends. Moi je prends aussi. Ouais. Donc ça va, ok. Moi je prends pas. Bon du coup on va continuer sur le même la pack. Même collection, hein. Vas-y. Jamais 203. Dunklo. Brazil. Brazil. Moi je préfère celle-là, ouais. En vrai je sais pas, moi je préfère celle-là, elle me parle plus. Pour l'été. Tu les portes comment? Du vert ou du jaune. Je mets un survêt vert ou jaune, tu vois. Je peux même mettre un survêt blanc avec un maillot du Brazo. Et puis même avec un jean. Et puis, même avec un short, enfin ce que tu veux. Non, moi je trouve au moins ça en fait une chacun. Bon, du coup, ça s'emballe aussi. Ouais. Franchement, j'aime bien aussi, hein. Moi je prends pareil. Tu prends aussi? Ouais. Mais toi, tu les as toutes prises du coup. Ouais, il s'est chauffé. Vas-y. Nike Air Max 90, Orange Camus. Dunk, Camo, Dunk, Camo. Déjà, elle out. Par contre, non, moi je préfère la verte. Ah ouais? Ah putain, ouais. Pas moi. Niveau prix, elles sont à combien, Stevie? Elles sont à 140 balles. 140 balles? Du coup, j'ai le budget, gros. Si on doit choisir entre les trois, de toute façon, les trois elles seront affichées. Avec les sables que je porte d'habitude, moi je sais que je prendrais la verte. Moi aussi, la verte. Moi je prends la orange. La orange, elle tue, hein? Moi je prends la orange. Ouais, si on doit choisir. En vrai, la orange, tu peux la porter avec du blanc, du bleu, du orange. 90, putain, ça fait longtemps aussi, j'en avais pas vu. Putain, comment je kiffe ce modèle, moi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous prenez ou vous prenez pas, laquelle. Orange, verte, rose. En tout, overall, moi je prends. Ouais, clairement, pareil. Tu prends, toi? Ouais. C'est de la moula. Ouais. Ouais. On a un budget un peu trop élevé. Hein. Merci Stevie. Au final, c'est lui qui râle. Il fait apparaître des gens, il fait apparaître l'argent, les verres. Il fait apparaître. Putain de magicien, les gars. Là, en gros, il fait apparaître les gens, l'argent, mais pas les verres. Les verres, ils sont jamais là. J'avoue, on serait là en face des caméras. Sinon. Depuis le temps qu'on fait les émissions, il n'y en a aucune qui a apparu. Bah, du coup, bilan, on voit tout de suite qu'on a un mec qui est ultra dépensier ici. Ça change pas. Compulsif. Acheteur compulsif. Moi, ça va, il me reste de quoi acheter une petite paire. Et là, j'étais pour en acheter deux, je crois. De quoi acheter une grosse paire. Bon, du coup, c'était l'épisode 4, sneakers. Shoutout, notre gars Calco. Calco, suivez-le sur les réseaux. Ça va apparaître là, son nom Insta. We Mao. Paire de fois, entrepreneur. Oh, je lâche pas la paire sur le fait que c'est fait pour faire de la randonnée. Bon, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais. Commentez, abonnez-vous. Mettez la petite cloche aussi. J'ai trop le cul. Ah, de Et vas-y, on s'attrape dans le bus. Peace. Peace.